dire, mais elle est folle, hein, comme ça j'aime Beyoncé, mais elle n'a pas que ça à faire. Oui, j'ai mis Gad Elmaleh. Il y a Roxane aussi qui m'a répondu. Et merci, pas merci, et merci. Pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Première vidéo avec ça, je vais pas en parler plus parce que voilà, ça va me faire rire. Mais j'ai un appareil comme vous l'avez vu sur Instagram et sur TikTok. J'ai un appareil, donc voilà, donc si je vous ôte, si j'arrive pas à parler durant toute cette vidéo, ne vous moquez pas s'il vous plaît, soyez indulgents. Maman, pourquoi il y a des trucs blancs là qui volent? Je sais pas, c'est la poussière. Il y a Suzy Ben Mimi derrière. Ah non, Mams Mercus a changé son nom. N'hésitez pas à aller vous abonner juste ici. Mams Mercus, voilà, c'est plus Suzy Ben Mimi. Alors, ce t-shirt est de. Eh, merci. Donc, Oiseau Tyson, si tu passes par là, gros bisous. Et allez vous abonner à son Snap. C'est un beau t-shirt de. Eh, merci. Et pas merci. Cette vidéo, c'est une vidéo très spéciale. C'est une vidéo spéciale. Oui, toutes les vidéos sont spéciales pour moi parce que. Parce que voilà, j'aime faire des vidéos, voilà. Donc le concept de la vidéo, c'est envoyer des messages à des youtubeurs, instagrammeurs, à des personnes connues, entre parenthèses, à des personnes connues. Bon, il y en a vraiment qui vont être connues. Je vous dis comme Beyoncé, mais je vous dis pas plus. On va envoyer des messages, je suis munie de mon téléphone. Sur Instagram et on va voir qui répond. En tout cas j'ai hâte de faire cette vidéo parce que c'est le suspense, qui va répondre. Donc là on tourne cette vidéo, on est mardi soir et je pense que du coup je filmerai la fin de la vidéo pour vous faire des conclusions, qui m'a répondu, je vous ferai des captures d'écran, je vous les mettrai et je vous dirai qui m'a répondu et combien de personnes. En tout cas je relève le défi et j'espère que beaucoup de personnes vont me répondre, même si je sais que c'est compliqué, même pour moi c'est compliqué de répondre à beaucoup de personnes, mais il y en a qui passent leur temps dans les messages privés, donc on teste. C'est parti. Donc on va commencer par McFly et Carlito. Envoyer un message à McFly. On va lui dire. Elle nous donc apparemment il doit faire une danse avec Gad Elmaleh. Du coup on va lui envoyer un message. Alors prêt pour la danse avec Gad Elmaleh. Alors coucou McFly. Tu es prêt pour la danse avec Gad Elmaleh. Bisous. On lui envoie un petit smiley avec un bisou. Donc c'est bon, on lui a envoyé. Ensuite on va faire Bilal Hassani. Donc on va lui envoyer. Salut Bilal, ça te dirait de tester des perruques avec moi, lol. Gros bisous. Ensuite Roxane, en plus Roxane a eu ses 3 millions aujourd'hui. Donc voilà, on va envoyer un message à Roxane. Et aujourd'hui elle a eu ses 3 millions. Hier soir ou aujourd'hui, je ne sais pas. Mais du coup on va lui dire quelle a été son émotion, sa première émotion qu'elle a appris qu'elle avait 3 millions. Quelle a été ta première émotion quand tu as appris que tu avais les 3 millions d'abonnés. D'ailleurs, si tu passes par là, félicitations. C'est bon, j'ai envoyé. Ensuite, on va faire Maëlia et Maman d'amour. Qui vient d'avoir les 500 000 aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Oh, mais félicitations, j'étais même pas au courant. Coucou Maëlia et Aurélie. Alors, c'est 500 000 abonnés. Quoi de vous dire que vous avez 500 000 abonnés. C'est bon, on a envoyé. Donc on va envoyer un message à Beyoncé. Oui, c'est très bizarre de se dire qu'on va envoyer un message à Beyoncé. Bon, écoutez, comment vous dire qu'il y a 2% de chances qu'elle me réponde. Voilà. Vous allez dire, mais elle est folle, hein, mon message à Beyoncé, mais elle n'a pas que ça à faire. C'est même pas elle qui gère son compte Instagram. Qui tente rien à rien, comme je vous ai dit. Beyoncé. Oh, mais il faut que j'écrive en anglais, j'avais oublié. I'm French. I love you very much. Punaise, ne faites pas attention à mon anglais.
Bref, on a envoyé à Beyoncé. Netflix, donc Netflix FR, enfin le français. Donc, salut Netflix. À quand la saison 3 de Gobi Batmanera? C'est une série qu'on regarde avec Myron. Michou, et Michou, Myron, il est fan de Michou. On va lui envoyer s'il est prêt à réaliser le rêve donc de Myron de le rencontrer. Salut Michou. Serais-tu prêt à relever le défi à réaliser le rêve de mon petit frère qui est de te rencontrer? J'aimerais trop qu'il réponde. On va envoyer à Oiseau Tyson, donc comme je vous dis, le t-shirt. Je vais lui envoyer, tu sais qu'actuellement je porte un t-shirt et je vais lui envoyer actuellement comme ça, un petit boomerang comme ça. On va lui envoyer ça. C'est bon, j'ai envoyé la petite vidéo, le boomerang. Bonjour Daniel, donc je vais lui dire, serais-tu prête à faire une vidéo avec ma maman? Vous êtes les mêmes. Regardez, salut Daniel, déjà on va dire. Salut Daniel, serais-tu prête à faire une vidéo avec ma maman? Vous êtes exactement. Non mais c'est vrai, avouez, oh, Daniel, on dirait ma mère, hein. Pas au niveau physique, vieillesse, mais... Vous êtes exactement les mêmes. Voilà, donc on a envoyé à Daniel. On va envoyer à Soprano. Et à Soprano, je sais ce que je vais lui écrire. Merci, salut Soprano, merci pour ta chanson, le coach. Tu nous motives chaque matin pour aller en cours. Non mais c'est vrai, avouez, pour aller en cours de PS, tu nous motives. On va envoyer à Céline Dion. Donc voilà, Céline Dion, comment vous dire que... Attendez, combien elle a d'abonnés? 3,6 millions d'abonnés. Sur 3,6 millions, je pense que c'est fort possible qu'elle nous réponde. Non, non, pas du tout. Donc on va lui écrire quoi, Céline Dion? Céline Dion, c'est plus ma mamie qui l'aime, donc on pourrait dire Céline. À quand un karaoké? Oh non, mais qui c'est qui demande ça, Céline Dion? À quand un karaoké avec ma mamie? Non, pour l'instant, personne ne nous a répondu. Je vais envoyer un message à Alban. Donc la petite Alban. Alban, donc on va lui demander à quand qu'elle m'apprend à... C'est quand qu'elle m'apprend à danser. Coucou Alban, à danser aussi bien que toi. Oui, si je dis beaucoup lol, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est dans mon langage, lol. LOL, LOL. Continue ce que tu fais. Donc une réponse, on peut compter une. Je vais marquer avec un stylo. Izzy, on va envoyer, donc si vous connaissez pas, c'est une youtubeuse où elle fait que des 24 heures, fait des trucs loufoques. J'adore tes challenges loufoques. Tu fais tellement délirer, on va lui dire. Et à la fin, on va lui proposer à quand un challenge toutes les deux. À quand un challenge loufoque toutes les deux, on va dire. Voilà. Ah, mais je sais à qui on va l'envoyer. À Mams Mirkus. Je l'adore. Allez, on va l'envoyer. Coucou Mams Mirkus. Regardez, on va la taquiner. Regardez. Coucou Mams Mirkus. J'adore ton contenu. À quand des stories sur un voyage à Disneyland? Si vous pouvez éviter de m'harceler, voilà, merci. Je reçois beaucoup de messages privés et je ne peux pas écouter tous les messages de mes fans. Ah, excusez-moi madame, excusez-moi. C'était pour le petit délire glace. Nous on reprend avec des célébrités. Non, je rigole. Donc nous avons eu deux réponses. Pixa, c'est une youtubeuse sur les Sims et je vais lui demander si à quand une partie des Sims. On va envoyer un message à Ubi. Donc c'est Isaac. Et vous savez, il m'avait déjà lancé le défi de manger tout bleu. Donc on va lui réécrire un message.
mais en plus se souhaiter joyeux anniversaire. Donc on va lui envoyer salut Isaac. J'adore ta dernière photo, c'est vrai qu'elle est hyper sympa. C'est te dire que j'adorais ta dernière photo Instagram. Je dirais plutôt que tu fais du yoga. Combien d'abonnés? C'est ça, 19 000. Mais ne vont pas se fier au nombre d'abonnés parce que un youtubeur, enfin un instagrammeur peut avoir 1 million d'abonnés, il peut te répondre. Non, faut toujours croire, toujours. Moi je dis qu'il faut toujours. J'ai fait déjà toute cette liste. Ok, donc on va faire derrière. Et à Elsa Makeup. Donc si vous connaissez pas, c'est une youtubeuse sur le make-up qui est vraiment mais super. Je l'aime trop. Donc salut Elsa. Punaise, mes messages privés vont être bondés de messages avec des gens qui sont certifiés là, mais on dirait la fille qui tombe, qui fait que harceler les gens. Salut Elsa, on t'adore, moi et ma maman, pour ta simplicité et ton naturel. Où tu m'apprends à me maquiller. Non mais n'importe quoi. Où tu m'apprends à me maquiller. Vous avez remarqué que je pose souvent des questions dans chaque message. En fait c'est pour tenter, enfin, que la personne répond. Parce que si tu dis un compliment, elle va se le mettre dans sa story. Mais si tu poses une question intéressante, là ça va la motiver à répondre. Ils vont te bloquer Instagram, hein? Non, ils vont pas me bloquer. Allez ma petite. En fait elle s'amuse à attendre juste d'avoir des réponses. Tu es magnifique, ma chérie. Magnifique, ma chérie. Je m'envoie à nous, Olito. C'est un Instagrammeur qui fait hyper, hyper rire. Mais je me tape vraiment des barres. Vraiment, si vous êtes mal ou triste, regardez ses vidéos. C'est vraiment pour vous dire, en gros, qu'il fait tellement rire. Mais vraiment, 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 ça siffle dans la bouche. Non, il fait vraiment rire. Et vidéo où il s'épilait, mais avec un épilateur sous les bras. Mais c'était tellement drôle, j'avais mis dans ma story. Et du coup là je vais dire à quand une nouvelle vidéo où tu t'épiles. Vidéo où tu t'épiles. Il a dit qu'elle est en train de préparer son livre. Et je vais lui dire que j'ai hâte. Et qu'elle sorte son deuxième livre. Parce que notamment elle a fait un livre, Elsie, le premier, et du coup j'ai hâte qu'elle fasse le deuxième, parce que vraiment je vais l'acheter directement. Salut. Et j'ai eu pas mal de réponses. Du coup là j'ai mon téléphone et je vais vous les montrer. Donc il y aura les photos juste ici ou là, je ne sais pas, les captures d'écran donc de ceux qui m'ont répondu. Donc je vais vous dire. Nous avons eu Sandrine, donc du meilleur pâtissier, qui nous a dit t'es un chou toi, dès que je pourrai je viendrai t'apprendre avec plaisir, bisous. Donc voilà, elle m'a répondu, donc ça fait déjà un. Après nous avons Girly Addict qui m'a répondu, donc elle m'a dit il sort en octobre, j'annoncerai la date bientôt, donc voilà pour tous ceux qui veulent savoir, donc ça fait quand même pas mal. On a Isaac, donc ah merci ça vient, et toi du yoga avec le super pouvoir de voler, donc voilà j'étais plutôt contente. Donc en fait il m'a répondu tard, vers minuit et quart, mais je l'ai vu le lendemain matin quand je me suis réveillée, parce qu'au Québec il y a des collèges horaires, donc c'est pour ça qu'il n'a pas répondu maintenant.
Il y a Roxane aussi qui m'a répondu, qui m'a dit oh my god. On a aussi le Willax qui m'a répondu. Voilà, il m'a dit ah, plein de bisous. Ensuite, nous avons Mams Mircus. D'ailleurs, j'étais très déçue parce qu'elle m'a répondu très froidement. Hein. Non, je rigole, c'était une blague. On a aussi Alban qui m'a mis un truc comme ça. Comme ça, je l'ai vu hier. C'était la première personne à avoir répondu. Donc, je crois que c'est tout. Je m'attendais à plus par contre. Mais il y en a pas mal qui nous ont répondu. C'est quand même bien, je trouve. On a quand même 7 sur 50. Vous allez dire c'est pas énorme, mais c'est quand même bien. Et je vous dirai sur Instagram s'il y en a qui ont répondu, mais beaucoup de temps après, c'est peut-être possible. Mais voilà, donc nous avons 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Et aussi il y a Maëlia et Maman d'Amour. Donc je viens de voir, en fait j'ai oublié, mais ça fait 9 personnes. Donc voilà, ça augmente, on était presque à 10, hein. Mais voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter dans l'onglet communauté, à me dire si vous voulez trouver une partie 2 de cette vidéo avec d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs, etc. Moi je fais d'énormes bisous, bye bye, team étoile, pétez le compteur des pouces bleus, team étoile.